Vous écoutez la radio nationale, il est 13h à Bamako, même heure à Koulikoroba, c'est l'heure de vous informer. Le journal, Aguibou Koulibaly. Les titres. C'est officiel, à partir de ce samedi 1er juillet, la MINUSMA doit prendre toutes les dispositions pour quitter le Mali le 31 décembre prochain. Cette requête du peuple et du gouvernement malien a été portée le 16 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Les détails dès le début de ce journal. L'espace d'interpellation démocratique a lieu le 10 décembre de chaque année. La 27e édition se prépare activement. Le médiateur de la République a donné les règles de jeu de l'édition 2023, notamment les modalités de saisine de cette autorité indépendante à suivre. À l'international, au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a la main tendue aux opposants en exil. Il accepte donc d'accorder son pardon à tous ceux qui sont impliqués ou condamnés lors de la répression sanglante du 20 octobre dernier. Et en sport, la 28e journée du championnat national de Ligue 1 se joue cet après-midi. Les 11 créateurs de Niarela et l'AS Real de Bamako. De l'autre côté, le Djoliba AC affrontera le COB. En Cannes des moins de 23 ans, la dernière journée de poule se jouera ce soir dans la poule B. Le Mali affrontera le Niger et l'Égypte en découdra avec le Gabon. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Nous sommes samedi 1er juillet 2023. Bonjour et bienvenue. Comme annoncé dans le sommaire, fin de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Le Conseil de sécurité a opté hier vendredi la résolution 2690 qui met un terme au mandat de la MINUSMA à compter du 30 juin 2023. Les 15 membres permanents et non permanents ont voté à l'unanimité cette résolution, mais le retrait de l'MINUSMA se déroulera en 6 mois, contrairement aux 3 mois demandés par le gouvernement. Donc, la MINUSMA quitte le Mali après 10 ans de présence. Le décryptage avec Garibou Pérou. Sans résultat tangible après 10 ans de présence, à la demande du Mali, les Nations Unies mettent un terme à la mission des casques bleus. L'ambassadeur représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies porte la voix du Mali et débloque les leviers de vitesse de retrait. Issa Konfrou, ambassadeur représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies. Le gouvernement du Mali note qu'au terme de la résolution adoptée aujourd'hui, le processus de retrait de la MINUSMA commencera dès le 1er juillet pour se terminer le 31 décembre 2023. Le gouvernement de la République du Mali tient et veillera au respect des engagements pris à cet égard. Pays hôte de la MINUSMA, gouvernement responsable, les autorités maliennes se disent prêtes pour la mise en œuvre diligente de cette résolution. Elles prendront toutes les mesures pour éviter un éventuel vide sécuritaire. Issa Konfourou, ambassadeur représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies. Le Mali, conformément à sa responsabilité de pays hôte, poursuivra les mesures prises en vue d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel, des locaux, installations et biens de la MINUSMA jusqu'au départ à date convenue de la mission. Par ailleurs, je tiens à rassurer de l'engagement total du gouvernement du Mali à poursuivre sans relâche sa mission régalienne de protection des populations civiles et des biens sur l'ensemble du territoire national. À cet égard, le gouvernement regrette que le Conseil continue de considérer la situation au Mali comme une menace à la paix et à la sécurité internationale, en dépit des résultats tangibles enregistrés, d'une part sur le terrain par les forces armées maliennes, notamment grâce au renforcement des capacités et à l'équipement de l'outil de défense, et d'autre part, concernant le retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, cher à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et comme vous le savez, l'organisation réussie le 18 juin 2023 du référendum constitutionnel s'inscrit dans cette dynamique. Le gouvernement du Mali s'engage également à poursuivre de manière efficiente et diligente
La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, en collaboration avec les mouvements signataires qui le souhaitent, en vue d'une paix, d'une réconciliation nationale et d'une stabilité durable dans notre pays et pour les bénéfices des populations maliennes. Après avoir échoué sur le plan sécuritaire, les quelques 12 000 soldats et policiers sont en fin de mission au Mali. Toutefois, le gouvernement et le peuple malien reconnaissent la contribution de l'aménagement dans les actions sociales et humanitaires. Ils rendent hommage à la mémoire de toutes les victimes de cette crise. La République du Mali reste disposée à coopérer avec tout le monde dans le respect des principes qui guident désormais l'action publique du Mali, rassure l'ambassadeur représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies. Garibou Porio, nous restons sur le même registre pour dire qu'à partir donc de ce samedi 1er juillet, la MINUSMA doit prendre toutes les dispositions pour quitter le Mali le 31 décembre prochain. Cette requête du peuple et du gouvernement malien a été portée le 16 juin dernier et par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, que je vous propose d'écouter. Il est l'invité d'hier soir du journal de 20h de ORTM1 suivant. C'est en fait l'aboutissement d'une demande de beaucoup de Maliens qui a été portée avec beaucoup de courage par son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, qui a tiré les conséquences de la présence d'une mission qui n'a pas répondu aux attentes des Maliens, notamment en matière de sécurité. Mais pire, ces derniers temps, nous avons vu que la mission a commencé à constituer une entrave pour nos efforts et elle a été instrumentalisée pour pouvoir porter atteinte à l'unité, à la cohésion sociale et même à la stabilité de notre pays. Et le Conseil, de façon collective, a voté à l'unanimité la résolution 2690 qui met un terme au mandat de l'aménagement, mais aussi qui demande que, à compter du 1er juillet déjà, le processus de cessation des activités de transfert, de retrait, soit effectif dans la période du 1er juillet au 31 décembre. Le Mali, depuis le début, a demandé un retrait sans délai, indiquant notre volonté d'avoir un retrait dans les délais les plus courts possibles. Nous avons conscience, naturellement, qu'il s'agit d'une mission de près de 17 000 personnes, qui a une empreinte lourde, mais il était important pour nous que ce délai soit court. C'est vrai que certains pays voyaient un horizon de 18 à 24 mois. Donc par rapport à cela, je pense que le Mali a fait preuve de souplesse, de flexibilité, mais nous restons vigilants. Nous pensons que tout doit être mis en œuvre pour pouvoir respecter ce délai. En tout cas, le gouvernement y est engagé. Et comme nous l'avons dit, nous restons ouverts pour coopérer avec les Nations Unies, le secrétariat général, l'aménagement et tous les acteurs concernés pour faire en sorte que tout soit mis en œuvre. Et nous pensons que, par exemple, sur la question par exemple, du retrait des militaires, ça peut même se faire beaucoup plus rapidement. Comment ça va s'organiser ce retrait? Bon, d'abord, on avait besoin, dans un premier temps, de cette décision politique qui consacre d'une part la fin du mandat de l'aménagement et d'autre part qui demande maintenant de mettre en place un plan de retrait. Maintenant, nos équipes, avec l'équipe des Nations Unies, nous allons nous asseoir, créer les cadres nécessaires et faire des plans de travail et regarder sur le plan militaire qu'est-ce qu'il faut faire, comment ce basculement va s'opérer, qui doit faire quoi pour pouvoir réaliser cela, dans quel délai, et aussi regarder sur le plan civil qu'est-ce qui doit être fait. Donc nous allons travailler ensemble en regardant l'ensemble des dimensions et tous les ministères concernés au Mali aussi seront autour de la table pour que nous puissions travailler à réaliser ce plan de façon tout à fait minutieuse. C'est une décision qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de se prendre en charge. Et vous avez vu qu'on ne s'est pas levé un matin pour demander le départ de l'aménagement. Depuis plus de 18 mois, l'État a changé le paradigme sécuritaire du Mali. Mais je dois dire que quand le Mali a décidé de faire appel à l'Algérie pour mettre en place un processus de médiation, c'est le Mali qui a choisi les partenaires
qui devait faire partie de la médiation internationale, y compris les Nations Unies. Donc c'était vraiment une volonté malienne. Les Nations Unies ont accompagné. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas de lien parce que la MINUSMA n'est pas là. Les Nations Unies restent engagées dans ce processus. Mais plus important, le gouvernement du Mali, en tout cas, reste engagé. Il y a eu des avancées importantes qui ont été engrangées. Et aujourd'hui, nous avançons dans le cadre du dialogue, dans le cadre de la réconciliation avec nos frères pour pouvoir tourner cette page. Mais beaucoup d'avancées ont été enregistrées. Même le processus référendaire qui vient de se clôturer prend en charge déjà un certain nombre d'éléments importants en termes de réconciliation nationale. Monsieur le ministre, il y a également la situation de tous ces Maliens dont le revenu est directement ou indirectement lié à la MINUSMA. Est-ce que vous y avez pensé? Nous y avons pensé. Le gouvernement est conscient de ces difficultés. Naturellement, ce type de changement ne va pas sans difficulté. Nous sommes conscients que beaucoup de nos compatriotes vivent à travers des activités liées à la MINUSMA, mais aussi, en regardant la situation, nous regardons aussi la perspective nationale de tous les Maliens qui sont affectés par cette situation qu'il fallait changer. Le gouvernement a mis en place une stratégie pour atténuer l'impact, ça ne sera pas total, mais l'impact en tout cas de ce retrait sur les populations maliennes, tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Connaissance et de gratitude du Mali à l'endroit de tous les pays contributeurs de troupes et de personnel de police à la mission, surtout pour les casques bleus qui ont perdu la vie au Mali, pour pouvoir contribuer à résorber cette crise, particulièrement les casques bleus africains. Plus de 95% des personnes décédées, malheureusement, viennent de ces pays africains. Leur dire que nous sommes conscients des sacrifices qui ont été faits. Nous sommes aussi conscients qu'ils sont venus en toute bonne foi pour aider le Mali. Malheureusement, le véhicule dans lequel ils étaient pour nous aider n'était probablement pas le bon. Je vais rappeler à nos compatriotes l'attachement de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, à ce que notre pays, fidèle à ses valeurs ancestrales, puisse rester un pays d'hospitalité, un pays ouvert. Nous avons eu un différend avec l'organisation, mais les personnes qui sont venues nous aider, nous devons continuer à les traiter dans le cadre de notre tradition de Djatigia. Et aussi faire tout ce qui est possible pour rester derrière les autorités maliennes qui ont pris à bras le corps ce problème, qui sont en train de le traiter, de faire confiance au président Goïta, de faire confiance aux autorités actuelles pour pouvoir gérer ce processus de retrait dans le respect de la dignité de nos hôtes, mais aussi dans le respect de nos traditions d'hospitalité. Sur un tout autre sujet, la 27e édition de l'espace d'interpellation démocratique se prépare activement. Elle a lieu le 10 décembre de chaque année. Une véritable tribune démocratique qui crée le contact direct entre le sommet et la base. Le médiateur de la République, dans un message, fixe les règles de jeu de l'édition 2023, notamment les modalités de saisine de cette autorité indépendante. La synthèse de son message avec Hawadit Makamara. Pour la 27e édition de l'espace d'interpellation démocratique, les interpellateurs peuvent se munir déjà de leur dossier. La date du dépôt est fixée au 3 juillet pour une période de 3 mois. Le médiateur de la République mobilise son équipe afin de répondre aux attentes des interpellateurs. À ce titre, il s'agit de trouver des alternatives permettant d'asseoir les bases d'une administration de proximité, notamment par le renforcement du dialogue entre gouvernants et gouvernés. Sanogo Aminata Malé, médiateur de la République. L'espace d'interpellation démocratique a pour objet d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'état des droits de l'homme en République du Mali, de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d'une culture démocratique nationale et d'impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. L'EID vise essentiellement à renforcer de façon pédagogique l'ancrage de la culture démocratique et la transparence dans la gestion des affaires publiques, à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu. En 3 décennies d'exercice démocratique, l'EID assoit une notoriété au fil des sessions au point qu'il est considéré comme un modèle dans la sous-région. Sanogo Aminata Malé,
médiateur de la République. Cette manifestation de la protection des droits de l'homme s'exerce par la saisine de l'EID pour les motifs suivants. Les actes attentatoires aux droits de la personne humaine, les cas d'injustice tels que les inégalités, les actes discriminatoires, les dysfonctionnements de l'administration, le non-respect de la légalité, la violation des principes de justice et d'équité, la violation du principe de bonne gouvernance. Pour rappel, l'EID est ouvert à tout le monde sans distinction selon le médiateur de la République. Rendez-vous est pris pour le 10 décembre, journée des droits de l'homme. Il est 13h passé de 14 minutes à Mopti. Nous ouvrons une fenêtre sur l'actualité internationale. Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a la main tendue aux opposants en exil. Il accepte donc d'accorder son pardon à tous ceux qui sont impliqués ou condamnés lors de la répression sanglante du 20 octobre dernier. Un message adressé notamment à Success Mara et d'autres opposants en exil. Objectif, redonner l'image du pays, notamment dégradé selon plusieurs spécialistes du pays. Les partenaires techniques et financiers du Tchad font pression sur le président de la transition afin que le pays puisse sortir de l'impasse politique. Au Soudan, le Conseil souverain demande l'aide de Moscou pour une médiation dans la crise. Hier vendredi, Malik Agar, vice-président de ce conseil, était à Moscou où il a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Dans une conférence de presse, Malik Agar a exposé le point de vue de l'armée dans cette lutte et une feuille de route en vue d'une sortie de crise. Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, Moscou entend jouer ce rôle de conciliateur. Cela après l'échec de la médiation commune menée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Une guerre qui oppose les militaires et les paramilitaires au Soudan depuis le 15 avril dernier. Enfin, en Sierra Leone, l'opposition dénonce des irrégularités lors du scrutin présidentiel. Le principal parti de l'opposition, APC, maintient son rejet total des résultats de l'élection présidentielle. Aussi, des organisations locales critiquent ces élections. Le parti APC estime que les résultats définitifs ont été proclamés avant même qu'ils ne soient certifié par les agents de la commission électorale et les partis politiques au niveau local. Les observateurs internationaux ont noté des incohérences statistiques entre les résultats partiels et les résultats définitifs du scrutin présidentiel. Pour rappel, le président sortant, Julius Mbada Bio, a été réélu pour un deuxième mandat dès le premier tour avec 56,17 voix selon la commission électorale. À présent, la page des sports. Championnat national de Ligue 1, la 28e journée, c'est cet après-midi. Le duel à distance pour le titre sera une fois de plus à l'honneur demain. Les 11 créateurs de Niarela croiseront le chemin du leader AS Real de Bamako. Au même moment, le Djoliba AC deuxième s'expliquera avec le club olympique de Bamako COB. Cannes des moins de 23 ans, la dernière journée de poule se jouera ce soir dans la poule B. Le Mali affrontera le Niger et l'Égypte en découdra avec le Gabon. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Thieno. Cannes des moins de 23 ans, la troisième journée de poule dans le groupe B se joue ce soir. Le Mali joue sa survie dans la compétition contre le Niger. Les protégés de Alou Badra Diallo Conti ont obligation de victoire pour se qualifier pour la demi-finale. Par contre, un nul suffit au Niger pour passer ce tour. Pour rappel, le Mali a une victoire et une défaite en deux sorties. Par contre, le Niger a une victoire et un nul. Dans l'autre rencontre, l'Égypte aura affaire au Gabon. Le Gabon, avec deux défaites, est éliminé, mais l'Égypte n'est pas encore qualifiée. Un nul suffit au détenteur du trophée. Et les deux matchs se jouent au même moment. Coup d'envoi 20h. Précisons que Mali-Niger se déroule au complexe sportif Moulay Abdallah et Égypte-Gabon au stade de Tanger. Hier, la poule A a joué sa dernière rencontre. Le Maroc, déjà qualifié, a terminé en beauté en battant le Congo par 1-0. Dans l'autre rencontre, le Ghana et la Guinée ont fait match nul un but partout. Un nul qui fait l'affaire de la Guinée-Conakry grâce à la meilleure différence de but général. Plus 1 pour la Guinée et moins 3
pour le Ghana. Sur le plan national, de Ligue 1, la 28e journée commence cet après-midi. Sur le terrain de ABM Foot, le Samara de Bamako va en découdre avec l'AS Police. Sur le terrain du Samara de Bamako, il est olympique déjà relégué, sera face à Afrique Football Elite. Sur le terrain de l'AS Real, LCBA va croiser le fer avec Big FC. L'Union sportive de Bourgogne, sur ses installations, offre son hospitalité au Black Star de Badalabougou. À Kita, au stade de la Mine Konaté, l'Union sportive du sac de Kita tentera de faire un pas de plus pour son maintien devant l'AS Bakaridjan. Cette 28e journée prendra fin demain. Le duel à distance pour le titre sera une fois de plus à l'honneur sur le terrain du Salman de Bamako. Les 11 créateurs de Nyarela croiseront le fer avec le leader AS Salman de Bamako. Au même moment, sur le terrain de l'ASB, le Djoliba deuxième au classement s'expliquera avec le club olympique de Bamako. 3 points séparent l'AS Real et le Djoliba. L'histoire va s'intéresser devant l'ASCO sur le terrain de l'AS Real. Chronique culture et société. Le jeudi prochain s'ouvre à Mopti la Biennale artistique et culturelle délocalisée. Au cours de cette première nuit, une soirée d'hommage sera rendue à l'armée malienne. D'ici là, la chronique culture et société nous fait revisiter le chœur et solo de chants chantés au cours des semaines nationales de la jeunesse et des biennales artistiques et culturelles. C'est avec le regard d'animateur, de jeunesse, directeur de troupe, journaliste culturel et professeur-chercheur. La chronique culture et société, c'est une réalisation de Alpha Maïga. Écoutons le président Modibo Keïta à l'ouverture de la première semaine nationale de la jeunesse en 1962. Donc l'assurance camarade, vous aurez le soutien inconditionnel de la direction du parti de cette section. Le général Moussa Traoré à la clôture de la 10e biennale en 1988. Vous avez exprimé les préoccupations et les aspirations de notre peuple. Une volonté politique affichée. C'était ainsi, à travers chœur, solo de chant, danse traditionnelle, que les différentes troupes artistiques et culturelles ont chanté et dansé l'armée malienne. Hommage est rendu ici au premier général de l'armée à travers la troupe artistique de Tumbutu, à l'époque relevant de la région de Gao. Le général, immortalisé par un moyen de transport fluvial reliant Koulikoro à Gao, est chanté. Malihita wodi bangai. Amadou Talfidje, dit Air Mali, directeur de la troupe artistique de Tombouctou. À travers cette chanson, on rend non seulement hommage à l'armée qui a perdu un grand homme, et aussi à cet homme et aussi à la patrie. Ce n'est pas tout, puisque à la 6e semaine nationale de la jeunesse du Mali, nous étions en 1966, c'est à l'unisson, au canon et à la polyphonie que la troupe artistique et culturelle de Bamako a magnifié l'armée malienne. L'armée, ce n'est pas seulement la guerre. L'armée, c'est aussi ces hommes et femmes qui, de jour comme de nuit, sont sur plusieurs sentiers de développement, toutes choses qui constituent pour les troupes une source d'inspiration. L'armée a joué un rôle très important depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Ndji Diakité, ancien directeur des ballets maliens. Donc il était de notre devoir, les artistes, surtout pendant la biennale, de pouvoir chanter les louanges de l'armée, les encourager, témoigner notre soutien indéfectible pour la cause de ce pays. Je me rappelle qu'il y avait une chanson Weilou Weilou. Eglise Al-Mohamed, acteur troupe de Kidal. L'armée Mali Weilou Weilou, Assardashi Inayam Pover. Et ça veut dire que c'était les louanges, la gloire aux soldats qui étaient sur les Pover et qui détenaient l'arme. Sur le sujet, qui est mieux placé pour relayer l'information? Bien entendu, les hommes de médias. Comme le disait un habitué des manifestations artistiques, l'armée fait la guerre, mais l'armée fait aussi la paix. Nos artistes, ils chantent l'armée en même temps que la paix. Issouf Doumbia, journaliste au quotidien national L'Essor. Pour nous, c'est à la fois l'armée qui fait la guerre et c'est aussi l'armée qui fait la paix. Il faut revigorer l'armée, à faire en sorte que la guerre se termine par la paix. Assarid Ag Ibarkawan,
ancien animateur de la jeunesse de Gao. Je crois qu'aujourd'hui, il est du devoir de chaque citoyen malien de soutenir notre armée. La mission de l'armée qui consiste à nous défendre, à nous permettre nous de bien dormir. Parce que si l'armée n'était pas là, aucun d'entre nous n'allait bien dormir, n'allait pas bien dormir dans sa maison. En écoutant toutes ces sonorités musicales, on est tenté de dire que si on pouvait seulement les transformer en espèces sonnantes et trébuchantes, le Mali serait l'un des pays les plus riches du monde. Tout à fait, Alpha Maïga. Rendez-vous donc le jeudi prochain à Mopti pour l'ouverture de la Biennale artistique et culturelle délocalisée. Ce communiqué avant donc de boucler cette édition, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, informe l'opinion nationale qu'une lettre circulaire du 27 juin 2023 passe sur les réseaux sociaux invitant les autorités maliennes à collaborer avec la levée du mot d'ordre concernant l'interdiction de la vente et de la consommation de la chicha. Le ministère tient à rappeler que cette lettre circulaire n'émane pas de lui et ne reflète pas sa position sur la question. Il précise que le ou les commanditeurs ne sont animés que d'une seule volonté, celle de contribuer à annihiler la jeunesse malienne, espoir du Mali tout entier. Le ministère rappelle que la consommation de la chicha est extrêmement dangereuse pour la santé et conduit à l'anéantissement de la population, gage du développement socio-économique et culturel du pays. Le ministère informe que les dispositions de l'arrêté interministériel numéro 2022 du 15 août 2022 portant interdiction de l'importation, de la distribution, de la vente et de l'usage de la chicha ou nalkilé ou tout autre appareil similaire demeure applicable avec toute la rigueur sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère rassure la population malienne que toutes les dispositions seront donc prises pour identifier et interpeller le ou les auteurs de cette fausse lettre circulaire afin de répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Le ministère sait pouvoir compter sur la bonne collaboration de la population malienne avec les forces de défense et de sécurité pour une lutte implacable contre l'importation, la vente et la consommation de la chicha. C'est donc à 13h passé de 26 minutes que prend fin cette édition. Et un journal présenté par Aguibou Koulibaly, mise en onde Alimata Ouattara. Une édition réalisée et coordonnée par Ousmane Dao. Sa mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. Merci de nous rester fidèles. Vous retrouverez Isaac Tienou à 19h30 pour la troisième édition de Mali Actualité. Mais tout à l'heure, le journal interrégional avec Mohamed Sangaré, suivi des avis et communiqués, une présentation de Astan Tangara. À nous revoir.